Salut tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Nous sommes lundi 23 octobre 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Et j'espère que vous avez passé un joli week-end. S'autoriser à être soi, qu'est-ce que cela veut dire? C'est accepter sa part obscure pour avancer vers sa lumière. Autorisez-vous régulièrement à prendre du temps pour vous. Et si vous le faites, il est possible que vous allez identifier vos entraves pour mieux accueillir vos ressources et révéler le potentiel merveilleux qui sommeille en vous. Voilà un beau travail à faire sur soi, n'est-ce pas? S'autoriser à être soi. Je terminerai par la petite carte « Ne plus avoir peur ». Mais avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourrirai le plus. Et vous le répétez encore 2 fois. Donc en tout, 3 fois. Et aujourd'hui, j'ai pigé « Lâche prise, rien n'est immuable ». Et c'est une carte du plexus solaire. Donc c'est le 3e chakra qui est l'affirmation de son pouvoir créatif, n'est-ce pas ? Et son rôle principal consiste à décrypter, digérer et purifier les désirs et émotions personnelles des 2 premiers chakras pour les incarner dans la réalisation consciente de votre vie. Et si ce travail s'effectue par le mental, cela provoque des blocages. S'il se fait en conscience, cette belle énergie circule librement. Et lorsque cette belle énergie circule librement, donc c'est le chakra équilibré, il va délivrer une sensation de paix et d'harmonie intérieure qui vous invite à identifier vos aptitudes et faiblesses et affirmer vos talents personnels, avec naturel, n'est-ce pas, et sans aucun souci du jugement d'autrui. Vous assumez votre énergie créative avec brio. C'est la couleur jaune, n'est-ce pas, j'ai oublié de vous le dire, le 3e chakra, qui se trouve aux côtes, en dessous de la pointe du sternum. Alors ce chakra, lorsqu'il n'est pas équilibré, lorsqu'il n'est pas dans l'alignement, qu'il est en disharmonie, il va générer un manque de calme intérieur, une difficulté à lâcher prise, un refoulement des émotions et une incapacité à affirmer, tout simplement vos talents. En d'autres mots, des émotions bloquées, génératrices de stress, de mal-être, de ressentiment et une incapacité à être dans l'action pour prendre votre vie en main et sortir de votre zone de confort. C'est difficile, de sortir de sa zone de confort. Et ce qui provoque un besoin de compenser, peut-être en contrôlant ou en exerçant une forme de pouvoir sur vous ou même sur les autres, ou même encore un souci excessif de reconnaissance extérieure. Mais vous savez qu'il y a une solution dans tout, et lorsqu'il n'y a pas de solution, le problème vient de notre tête, vient de notre mental. La solution, il faut se mettre à l'écoute de ses passions ou de ses élans de cœur pour que la créativité
se mette en branle et que sa voie personnelle se dessine. Eh bien, le lâcher prise, rien n'est immuable. Est-ce que ça parle à certains d'entre vous? Sûrement, et d'autres, ça ne parlera pas. Donc, soyez bien à l'aise pour prendre ce qui vous parle, n'est-ce pas? Pour certains d'entre vous, eh bien, lorsque tu rencontres une difficulté, on t'invite à faire en sorte de ne pas te noyer dedans, ne pas extrapoler. Regarde la scène comme un spectateur regarderait une pièce de théâtre. Rien, mais rien n'est immuable. Tout ne fait que passer. Et on t'invite à accepter les choses sans pour autant te résigner, puisque chaque chose que tu vis n'est pas là pour t'accabler, mais t'apporter un enseignement caché. Nous sommes ici sur Terre pour apprendre, n'est-ce pas? Et ce sont des enseignements que c'est avec ces enseignements que nous apprenons. Accepter. Accepter. C'est difficile d'accepter, mais qu'est-ce que ça veut dire lorsque on accepte? On accueille. Accepter la défaite, on accueille la défaite pour la transformer. Et en tout domaine. En accueillant, n'est-ce pas? Tu n'opposes aucune résistance à ce qui est. Donc, aucun champ de force qui cultiverait ta peur. Ce qui est n'existe que pour t'aider à accéder à un nouveau niveau de conscience qui est salutaire pour toi. Et lorsque tu y parviens, eh bien, la situation se dissout. Elle se dissout d'elle-même puisque la leçon est acquise. Donc, aujourd'hui, on t'invite à ne pas te focaliser sur une situation ou quelqu'un de nuisible. Si tu veux, là, le voir disparaître de ta vie, il y a une chose à faire toute simple. Et tu sais ce que je vais dire. Lâche prise. C'est lâcher l'ego un instant en acceptant la leçon, convaincu d'une amélioration, car confiant en l'univers, c'est ce que tu feras. Lâche prise, c'est lâcher l'ego. C'est un beau message pour commencer cette semaine, n'est-ce pas? On termine avec la carte « Ne plus avoir peur ». L'amour me fait peur. Question. Eh bien, je redresse les épaules, je regarde loin devant moi et je m'entraîne à être aimée. D'abord, eh bien, par moi-même. Il est impossible d'aimer ou de se laisser aimer si l'on ne s'aime pas. D'abord soi-même. Combien de fois que je ne le dis pas, n'est-ce pas? Il faut s'aimer pour être aimé et pouvoir se laisser aimer. Tout ce qui vise à améliorer l'opinion que j'ai de moi et l'amour que je me porte m'aidera à accepter sereinement l'amour de l'autre. Tout est dans l'amour, n'est-ce pas? Tout est dans l'amour. Si vous ne vous aimez pas, apprenez à vous aimer. Et vous allez voir, votre vie va changer. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.